Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Au Féminin. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle technologie, nous serons en compagnie de Madame Sabina Cherif. Ensemble, nous allons découvrir les points marquants de sa vie. Nous allons découvrir également les souvenirs de l'enfance. Mais le plus important, c'est que nous allons parler avec elle d'un sujet très important. Nous allons parler du monde des bijoux, des pierres précieuses, du diamant et comment une femme a pu entrer dans ce monde qui était consacré uniquement aux hommes et a pu considérer sa vie comme une carrière réussie dans le domaine. Madame Sabina Cherif, bienvenue à notre programme. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir est le mien, Mona. Merci. On commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance, puisque cette période de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Bien, je retiens de très beaux souvenirs à l'école. C'est dans une école de jeunes filles, l'école francophone. J'ai conservé mes anciennes copines et ce sont les plus beaux souvenirs de la vie. Avant de passer à d'autres parties ou d'autres étapes de votre vie, je voudrais m'arrêter ici avec ce que vous avez nommé l'enfance et les amis de l'enfance. Selon vous, est-ce que c'est vrai que les amis qu'on fait pendant cette période de l'enfance, ce sont les amis qu'on garde pour toujours? Absolument, absolument. Quand on est à l'école, qu'on porte le même costume, tous les jours on va en uniforme, on est des amis parce qu'on aime être des amis. Il n'y a pas d'intérêt. C'est une amitié, tout simplement, sans aucun intérêt. On s'aime bien, on rigole bien, on a de beaux souvenirs. Il n'y a aucun intérêt du genre... je sais pas, business ou n'importe quel intérêt. C'est simple, c'est de l'amitié pure. Il n'y a pas de conditions. On est des amis, on aime être ensemble. Tout simplement. C'est vrai. C'est vrai. Alors, avec les amis de l'enfance, on est toujours à l'aise puisqu'on les connaît au cours d'une période de la vie qui est connue par... comme vous l'avez mentionné, sans intérêt, sans profit, sans gain, c'est une amitié pure et certaine. Et également, on passe par plusieurs défis, plusieurs circonstances ensemble et on garde cette amitié. Et suite aux études à l'école, vous avez commencé des études de commerce, c'est ça? Et vous vous êtes orienté vers un monde fascinant, un monde qui était consacré au cours de cette période aux hommes uniquement. Et vous avez pu non seulement étudier, mais également s'affirmer comme une femme travaillante dans ce domaine. Parlez-moi des études dans le domaine du diamant ou dans ce monde de pierres précieuses? Eh bien, quand j'ai commencé par des petits stages chez mon père, surtout que j'étais très intéressée. Je fais partie de la 6e génération dans le métier.
de famille. Et j'ai un frère et une sœur aussi qui font partie du même métier. Et nous constituons la sixième génération de notre famille. Et j'ai fini mon bac à 16 ans. J'ai passé mes autres études commerciales. Et puis, je suis partie aux États-Unis pour apprendre les diamants. Et puis, en 2002, j'ai suivi le cours des pierres de couleur, qui est un autre cours qui est aussi difficile, qui a été fait ici en Égypte, qui a été fourni par le HRD, et c'est l'école des pierres de couleur et pierres précieuses et diamants de la Belgique. Ils sont venus ici, ils ont donné le cours. Et puis, pendant toutes ces années, bien sûr, au départ, c'était un peu difficile parce que quand j'ai débuté, nous étions que cinq femmes sur le marché. Tout le marché égyptien, il n'y avait que cinq ou six femmes qui faisaient le métier. Donc, nous étions seulement trois qui avons fait le cours des diamants. Et il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui avaient fait le cours d'ailleurs. Il y en avait deux ou trois sur tout le marché égyptien. Donc, c'était un petit défi, mais ils ont fini par accepter les femmes. Voilà. Alors là, j'ai plusieurs questions concernant cette période de votre vie. Tout d'abord, je voudrais parler de votre séjour aux États-Unis. Ça veut dire une jeune femme qui va étudier là-bas. Comment ça s'est passé? Comment vous avez passé par la période de vivre à l'étranger pour étudier ça? Bon, pour commencer, je dois aussi dire que mes parents sont des gens qui sont bien évolués. Ma maman, elle est docteur en droit à 27 ans. Elle avait son doctorat. Mon papa, ça fait des années qu'il est dans ce métier. Il a l'esprit très ouvert. Il est francophone. Et ils ont confiance en nous, ils nous ont bien élevés, ils ne voient pas quel est le problème. Bien sûr, à l'époque, ce n'était pas monnaie courante que les jeunes filles partent en voyage toutes seules, comme ça, à 20 ans, surtout faire des études toutes seules, comme ça, non. Mais c'est-à-dire que mes parents avaient confiance, ils savent qu'on est des bosseuses, qu'on est des travailleuses, ils nous ont laissé partir. Ça s'est très bien passé, on est rentré, on a travaillé dans notre métier, dans notre affaire. Ça veut dire que vous êtes partie accompagnée de votre sœur? Non, elle est partie toute seule avant moi, elle a 3 ans d'écart. Elle avait déjà fait le cours avec ma cousine et elles étaient ensemble, moi je suis partie toute seule après. Mais l'idée c'est que à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Les parents n'envoyaient pas leurs filles seules comme ça, s'aventurer à faire des cours tout seul. Il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tous ces moyens de communication, il n'y avait que le téléphone normal. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Oui. Donc, mais c'est le soutien des parents. Mon père, il nous a beaucoup soutenus. Il n'a jamais différencié entre notre frère et nous. On a toujours été... Il a trois enfants. C'était pas deux filles et un garçon. Hein. Donc, du coup, ça aussi, ça donne beaucoup de confiance. Oui. Ça nous a donné beaucoup de confiance en nous-mêmes d'avoir le support et l'appui de nos parents, que nous ne sommes pas différents. Nous sommes des femmes, oui, mais nous avons un cerveau. Nous sommes bien éduquées et... On peut faire des choses tout à fait normalement, il n'y a aucun souci. Oui. On est là pour étudier. Oui. Deuxième élément très important dans ce que vous racontiez, c'est que vous faites, quand vous dites, une partie de plusieurs générations travaillant dans le même domaine. Pourtant,
Vous avez étudié, vous êtes parti à l'étranger et la famille a accordé une importance à ces études. Parlez-moi de ça également. Ça veut dire que pourquoi pas entamer une carrière sous l'égide de votre père uniquement, avec l'expérience et que vous gagnerez au fur et à mesure beaucoup d'expérience dans le domaine. Pourquoi la famille a décidé que vous devez également être armé par les études. Ben parce que, comme mon père a fait ses, a commencé à travailler, les cours n'existaient pas à l'époque. Et puis, c'est une personne qui est très, qui était très cultivée, qui lisait beaucoup. Il lisait beaucoup dans notre domaine. Et c'est une personne qui était très évoluée. Et il a continué à toujours essayer de moderniser le plus possible, le plus en avancé. Lui, il évoluait et il nous aidait à évoluer. Donc, l'idée, c'était d'apprendre. On était là pour apprendre. Oui, mais au lieu d'apprendre par trial and error, il a rapetissé le temps de cette expertise simplement par nous envoyant pour faire les cours. Parce qu'en faisant les cours, on n'a pas d'erreur que nous allons payer cher. Parce que l'erreur chez nous, elle est payée très cher. Quand on fait une erreur en estimant une pierre mal, on paye le prix de cette erreur. Bref, c'est cher. L'erreur, elle est bien payée. Je voudrais Alors, savoir du coup, alors, qu'est-ce que vous étudiez alors pour bien maîtriser ce métier? on fait un cours qui s'appelle le Diamond Grading. Et Lire les ça, diamants. c'est... Pardon? Ça veut dire que vous lisez les diamants, comme si c'était un livre à lire. Oui, c'est un livre à lire. Voilà. On prend le diamant, on l'analyse complètement, les mesures, la couleur, la clarté, les proportions, les angles, le nombre de facettes, le polissage. Et on fait, c'est-à-dire qu'on est certifié, on peut faire des certificats. Mais pour faire des certificats, il faut être à trois pour décider la qualité du diamant. Chacun estime seul et puis on compare les résultats et c'est comme ça que c'est fait. Mais il faut avoir un laboratoire, évidemment. Mais comme nous n'avons pas de laboratoire en Égypte pour ça, parce qu'il y a plein d'équipements aussi pour faire ça, pouvoir faire ça, nous n'avons pas, ça n'existe pas encore en Égypte, mais ça viendra un de ces beaux jours, espérons bien. Oui, ça veut dire que avec Alors, les études sont... ce genre Pardon. d'études, vous avez le droit d'estimer hein, et de donner une estimation à n'importe quelle pierre précieuse ou diamant ou pierre de On couleur fait, d'autres. c'est-à-dire que nous faisons un grading, c'est-à-dire comme on peut certifier une pierre. En la certifiant, on peut décider à partir de cette certification, on peut dire qu'est-ce que ça vaut en monnaie. Mais il faut d'abord savoir qu'est-ce que nous avons en main. Et Parfait. ça, c'est la chose la plus importante. Également, après ces études de retour en Égypte, vous avez commencé vos pas professionnels
À l'époque, quand vous l'avez mentionné, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui travaillent dans ce domaine. Alors, cette période également, c'est une période importante. Parlez-moi de ces premiers pas. Eh bien, nous sommes à la rue Abdelkhalek Sarwat, donc du coup, il n'y avait pas de femmes dans la même rue. Nous sommes dans le marché de centre-ville et nous étions les deux seules femmes à faire ce métier. Les hommes étaient un peu trop curieux parce que leur curiosité, ils nous ont bien testés. On nous envoyait des pierres pour voir si vraiment, on savait, ils envoyaient des pierres qui étaient certifiées pour voir si on pouvait les aider. On nous envoyait une pierre en disant est-ce qu'on pouvait leur dire c'est quoi la couleur ou c'est quoi la clarté. Après deux, trois fois, ils ont bien compris qu'on savait de quoi il s'agissait. Donc, Et pour les ils nous clients, ont comment, accepté. oui, les clients, comment était votre relation au début avec les clients? Est-ce qu'ils étaient, ils avaient des doutes, par exemple, en travaillant, en venant solliciter vos, par exemple, vos conseils ou acheter chez vous? Comment ça s'est passé? Au départ, bon, d'abord, il faut dire qu'on était assez jeunes. On avait 23 ans, 25 ans. On était quand même relativement jeunes pour le métier. Mais comme on avait nos études, bien sûr, il y avait la présence de notre père. Donc, du coup, les gens étaient plus rassurés. Mais aussi, les dames étaient très contentes de venir trouver deux dames qui faisaient ce métier. Elles se sentent plus à l'aise parce qu'elles trouvent que c'est plus facile à communiquer entre nous comme femmes avec le goût et tout ça, malgré que elles aiment bien aussi avoir des hommes qui font le métier. C'est où on a le feeling de ce métier, où on l'a pas. Mais ça les étonnait quand même au départ, mais elles ont aussi beaucoup apprécié de nous avoir. J'espère que ça continue. Toujours de réussite, mais dites-moi également, vous êtes dans ce domaine depuis combien de temps? J'ai commencé à faire les petits stages en 90-91, mais j'ai fait mes cours en 96. Donc, ça fait quand même un bout de temps. Et aujourd'hui, on trouve à peu près combien de femmes spécialisées dans ce domaine de bijoux de diamants? Je ne peux pas vraiment vous dire combien, mais à un moment donné, mon père qui tenait comment on dit ça, Le syndicat? le syndicat, oui, des bijoutiers, à un moment donné, avec la collaboration avec l'ambassade de Belgique et la Belgique, il avait ramené le HRD qui a fait des cours. Et ils avaient appris, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait le cours des hommes et des femmes. Et de là, le roi de la Belgique lui a donné comment on dit ça? Il a été décoré par le roi belge. Il a été décoré par le roi de la Belgique. Il a eu la plus haute décoration du commandeur de Léopold II. Et à cause de ça, parce qu'il y a plus de 150 personnes qui ont fait le cours en vraiment très peu de temps, relativement au Moyen-Orient. Oui, parfait. Et il existe. Mais je ne peux pas, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas maintenant la data du nombre de jeunes filles et de jeunes hommes qui ont fait le cours, mais ceux qui ont fait le cours, ils travaillent dans le métier et ils ont eu cette chance de faire le cours ici sans être obligés de partir, espérant que maintenant ils pourront retourner faire d'autres cours parce que le marché a besoin de ça. Parfait. Et en contemplant votre vie professionnelle, selon vous, quels sont les points marquants, les réussites de cette carrière? Vos réussites. Les réussites, sont de quand les clients sont contents et reviennent. Ça, c'est une réussite. Quand
Quand on retrouve les clients qui reviennent avec leurs petits-enfants pour reprendre, pour acheter pour leurs petits-enfants qui vont se marier, ça, c'est une réussite. Ça fait très plaisir. On faisait des exhibitions qui étaient très bien réussites aussi, mais maintenant, après, bon, il y a un moment, il y avait un problème de sécurité. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais bon, on a le COVID, donc, mais peut-être que quand ça va s'améliorer après le COVID, on pourra faire d'autres exhibitions, espérant que tout sera bien fait. Vous avez déjà contribué et présenté vos modèles à des expositions en Égypte et à l'étranger, n'est-ce pas? Oui, nous avons exposé en 2000 à New York. C'est une grande foire et c'était la seule fois qu'on est parti. Mais parce que c'est pas si facile pour partir et pour exhiber, ça demande beaucoup d'efforts et de personnel, donc c'est pas si facile. Mais c'était une bonne chance qu'on a eu cette chance et qu'on est parti. Ça nous a beaucoup aidé à voir d'autres angles dans ce métier comme producteur. Parce que nous avons aussi, nous gérons aussi une usine de production. Nous faisons quelques articles, donc ça nous a donné aussi un autre angle, à part la boutique que nous vendons aux particuliers. Mais nous avons aussi une petite usine. Et de là, ça nous a beaucoup aidé à voir d'autres choses. Et c'est toujours une petite fenêtre sur le monde quand on va dans des expositions. Même quand c'est des expositions en Égypte, c'est une petite fenêtre qui nous montre quelque chose de nouveau, qui nous aide à s'améliorer, à avancer. Je voudrais également savoir, est-ce qu'il existe une différence entre le métier d'un bijoutier, de quelqu'un qui travaille dans le domaine du diamant et également de quelqu'un qui dessine les modèles? Ça veut dire que est-ce que vous devez maîtriser ces trois facettes ou vous vous spécialisez dans un de ces éléments? Bon, le design, c'est un métier. Mais ici, quand on travaille en commercial, après un moment, on voit les modèles, on part, on voit ce qui se passe autour de nous. Je ne suis pas obligée d'être designer dans mon métier. Je ne suis pas obligée d'être designer. Mais avec l'expérience, je sais qu'est-ce qui peut aller ensemble. Et je vois très bien les proportions et tout ça. Je ne fais pas le design, mais je peux appeler le designer. Je dis, je veux faire ça, 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 de cette façon. Comme lui, il est déjà designer, ça va plus vite. Il comprend qu'est-ce que je veux. Et de là, il fait un dessin, premier dessin, on arrange un peu sur le dessin, on hausse, on baisse, on allonge, on rétrécit. Et après ça, il continue son travail. On n'a jamais vu un diamant rouge, ça oui, c'est vrai. Je ne l'ai jamais vu. Je ne savais même pas qu'il existait. C'est un diamant rouge. C'est le diamant rouge, c'est le plus rare. Très bien. Madame Safina Sherif, à part le travail fascinant, bien sûr, et ce monde sublime de bijoux, de pierres précieuses, est-ce que vous avez d'autres activités que vous pratiquez dans votre vie? Oui, je fais mon sport.
Je fais mon yoga, je fais ma natation, je continue. C'est déjà bien. Oui, c'est une vie très active et ça nous mène à parler de la femme qui vous inspire le plus dans votre vie. Ma mère. Ma mère m'a beaucoup inspirée. Une femme qui a beaucoup de caractère, qui est très cultivée, qui a l'esprit ouvert, comment on dit ça, qui nous a beaucoup soutenues pour être des femmes d'affaires aujourd'hui, une femme merveilleuse, voilà. Madame Safina Chérif, vraiment c'était un honneur et un plaisir de pouvoir parler avec vous à travers cette nouvelle technologie. Grâce à cette nouvelle technologie, on a parlé de ce monde fascinant de diamants et comment, jeune fille, vous avez pu conquérir ce monde et réussir pendant des années et des années. Merci d'être avec nous Merci aujourd'hui. à vous. Le plaisir était le mien et bonne chance. Merci, chers téléspectateurs, c'était un rendez-vous pas comme les autres avec une experte de diamants, Madame Safinaz Chérif, avec laquelle nous avons parlé de ce monde fascinant et comment elle a pu pénétrer ce monde, réussir et continuer. Rendez-vous la semaine prochaine afin de continuer à découvrir d'autres réussites au féminin. Merci et au revoir.